Salut les petits mocheux. On va fermer ça parce que ça, ça gêne un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, un peu spéciale. Cette fois-ci, on fait un petit vlog. On n'en a jamais fait encore. Ceux qui nous connaissent, c'est toujours spécial avec toujours, Christophe. Toujours spécial. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un vlog. Pour une fois, on va faire un vlog sur la chaîne. Et le vlog, ce sera quoi? Enfin, on va faire quoi exactement, chérie? On va, pour le 14 juillet, on va à Honfleur avec les enfants. Donc Honfleur, c'est en Normandie. Ça se situe juste ici. Voilà, je vous mets un petit truc ici là. Voilà où ça se situe. On y va en voiture. De toute façon, on va pas y aller en avion. On n'a pas de jet privé, pas encore. Quand on aura les 1 million d'abonnés, peut-être. Non, on va y aller à dos de fourmis. À dos de chameaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on y va en voiture. On y va avec la 5008. Donc la voiture. Bon, j'ai la présentation de la voiture. Le lien dans la description de l'ancienne vidéo où on présente la voiture. Et ce qu'on va faire de spécial, c'est qu'on va dormir dans la voiture. Donc là, on est le 13 juillet. On y va pour le 13. Et on reste à peu près jusqu'au 15. Donc demain, déjà toute la journée. Parce que là il est quand même 19h14 et on préfère rouler de nuit, c'est plus sympa. Donc voilà pourquoi on part à ce temps là et on va arriver vers 8h, 8h30 et du coup voilà, et on va vous montrer l'installation dans la voiture et vous montrer ce qu'on peut faire le 13 et le 14 juillet surtout le 14 juillet. Oui. Donc un petit vlog tranquillou voilà avec les petits mocheux et le lit, tout ça, on a le lit dans la voiture, on va dormir dans la voiture, ça on va être va tout full vous montrer. Donc préparez les popcorns parce que ça risque d'être long. Voilà, vous allez, on va où Liam et Léina? À la plage. À la plage. Vous êtes content? Oui. Voilà, on part à la plage en famille. Voilà. Bisous. Le petit vlog d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le vlog. Here we go! Voilà, on s'est un petit peu arrêté pendant la route parce qu'on a vu au loin qu'il y avait des petites qui tournaient. Donc notre fiston a dit, je me rapproche un peu parce qu'il y a beaucoup de vent. Notre fiston a dit ton moulin va trop vite. Et en fait c'est quoi? Il parlait des éoliennes. Donc pour lui faire plaisir, c'est la première fois qu'il fait ça. Donc on s'est arrêté pour tourner les éoliennes. Et ils sont vivants. Ah bah Théo, vous imaginez même pas le vent, je sais pas si vous entendez le vent. Le vent est juste. Regardez. Le vent est juste fou. Ouais, ma chevelure. T'as vu les gars, c'est quoi? La taille de l'éolienne. Je sais pas quelle hauteur ça fait, je vais essayer de faire des recherches sur internet. On va rechercher ensemble avec mon piston. Voir la taille que ça peut faire. Voilà, ça te fait plaisir d'être venu voir les éoliennes? Ouais. Comment ça s'appelle? Ça? Aronel. Et comment? Aronel. Ok, c'est ça. Et on peut en voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 10, let's go. C'est parti. Salut le conducteur. Ça va, ça farte. Ça farte et toi? Comme vous pouvez voir, on est sur la petite route de campagne. On a décidé de prendre la petite route de campagne et éviter l'autoroute, tout ça, justement pour voir plus de paysages. Regardez à droite, on a un gars qui passe la moissonneuse. Et sur votre gauche, vous avez des pommiers. Donc non, c'est plus intéressant. Tu t'arrêtes chercher des pommes? Non, mais elles sont petites. Ah mince. Oui, ils sont pas mûrs. Mais c'est plus sympa de passer par cette route de campagne. Chambre d'hôte. Tu vois, il y a chambre d'hôte, si on peut aller à la grenouillère, il y avait écrit. Ah non, c'est cool. C'est une petite route de campagne. C'est le plaisir de conduire. C'est royal. On est à 85 km/h. Eh, c'est les vacances, les amis. On est en vacances. On arrive dans la petite commune de Fourneau. Ah, Fourneau. Ah, j'arrive un peu vite. Ralentir. Voilà. Voilà pour ceux qui n'ont jamais eu le pont de Normandie, c'est juste ici. Pourquoi? Tu peux zoomer? Non. Tu peux pas? Non, je peux pas zoomer. Dommage, parce qu'on voit pas bien. On vous mettra en haut la photo du pont du Normandie. Pardon. Le pont de Normandie. Le pont de Normandie, on vous mettra une photo. Juste là. Juste là. Voilà. Donc on est bientôt arrivé à Honfleur. Voilà, on est arrivé à côté de Honfleur, donc on a le pont de Normandie juste ici, regardez, c'est le pont de Normandie. Voilà, vous avez le pont de Normandie juste ici. Donc on est vraiment au pied du pont, emprunter le pont de Normandie. Je sais pas si on peut les voir vraiment bien. Bah, je suis à fond en zoom, c'est pas terrible. Et voilà, on voit les voitures passer, on voit qu'il y a le péage juste ici, le péage, je sais pas si on peut voir là.
Et ici, il y a juste le péage juste là. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le pont de Normandie, c'est payant. Donc peut-être pour une future, pour sans doute un futur vlog, on passera par le pont de Normandie et on ira voir ce qui s'y passe juste derrière le pont de Normandie. Ça y est, nous voilà arrivés. Bon, je vais parler fort parce qu'avec le vent, on n'entend pas. Les deux, mes deux hommes, ils sont partis à l'eau. Bon, il y a la petite là qui a peur, donc elle n'y va pas. T'as froid, mon cœur, on va y aller. On peut entendre les bruits des mouettes. Liam, coucou. Coucou. Voilà les amis, du coup, oh, ça te fait une sale tête Liam, on dirait. Ah non, c'est bon. On dirait que t'as des grosses joues. On dirait qu'il a des grosses joues. Voilà, on est du coup dans la voiture. Bon, je voulais vous montrer en vlog comment je fais mon installation, etc. Du lit dans la voiture, etc. Mais les enfants ont été fatigués. Il est minuit et demi. On a été faire un petit tour en ville, tout ça. On a passé un peu de temps ensemble. Et on dirait un hamster. Les gros joues, on dirait. On dirait qu'il a des gros joues. Et du coup, voilà. Donc, du coup, on a mis le lit. J'ai mis le lit en speed, tout ça. Mais je vous montre demain matin au réveil. Je vous dirai si on a bien dormi. Si je me réveille pendant la nuit, je reprendrai un petit coup de vlog pour vous dire j'ai mal dormi, je dors mal ou quoi. Donc je vous le dirai. Mais en tout cas, pour l'instant, on est très confortable. Je vais vous prendre. Parce qu'en fait, dans ma voiture. Attendez, hop. Si j'arrive à le prendre, dans ma voiture, en fait, il y a une lampe intégrée. C'est magique. Et regardez, j'ai mes pieds là-bas. Vous voyez, je suis vraiment bien, je suis grand, je fais 1m82 et je passe nickel. La petite glacière qui est là, voilà, tac, et du coup, on est ensemble, quoi, on est là. On dort tous ensemble, tous les quatre alignés, et franchement, je suis pas serré du tout. Moi non plus, j'ai mal. Et on a même mis la clim, comme ça, on est à 20 degrés dans la voiture, on est impeccable. Franchement, on dort comme des chefs. Là, pour l'instant, on est comme des chefs ce soir. On a même le toit panoramique. On a le toit panoramique. Du coup, on peut voir les petites étoiles. Et pour les grosses bouffes, on a les bonbons. Et en plus, on a les bonbons pour les grosses bouffes. Donc franchement, on est bien. Depuis tout à l'heure, on papote, on regarde les étoiles, tout ça. Les enfants, ils kiffent. C'est le plus important. C'est la vie. On est royal, quoi. On est, franchement, je veux dire quelque chose. J'ai mon oreiller et tout. Hein. J'ai mon oreiller. Et j'ai un matelas. Hein. J'ai un matelas. Je vous montrerai ça demain matin. Et le truc, c'est que... Non, s'il te plaît. Et du coup, on est vraiment bien. On n'est pas serré ni rien. Je pense qu'on est même mieux que si on serait à l'hôtel. J'avoue. Presque. Franchement. À part Nana qui fait que de ronchonner. Non mais c'est parce que Liam il l'écrase. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et bah je vous reprends juste tout à l'heure. Enfin, dans pas longtemps. Bisous. Allez, c'est parti. Ça continue le vlog. Ne vous inquiétez pas, il continue le vlog. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde. Ça y est, on est le matin. On a dormi dans la voiture. Voilà, je vous dis comme promis, je vais vous montrer un petit peu l'installation. De notre voiture, de notre petit lit pour pouvoir dormir tous les quatre. La nuit était un peu agitée parce que Liam il arrête pas de bouger toute la nuit. Mais sinon en soi, je leur ai demandé s'ils ont bien dormi, tout le monde a bien dormi. Moi ça allait mais j'avais mal à la jambe. Bon bref. Mais ça c'est pas lié à la voiture, c'est lié à un problème que j'ai dans la guibole, ça c'est pas grave, ça devient toujours que j'ai mal à la jambe. Bref, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Bref, je vous montre un petit peu l'installation comme prévu. Hop, il est jusqu'au fond là-bas. Et en fait, ce que je fais, et vraiment je rentre entièrement, donc il doit y avoir 1m85 et moi je suis 1m82, donc c'est nickel. Ce que je fais, c'est qu'après, à la fin, là, quand c'est fini, je prends le lit, je le roule et je le refous directement dans le coffre. Et après, je remets les banquettes. Et les banquettes sont penchées comme ça, et qu'on les couche. Donc les trois de derrière. Après, je remets les banquettes et puis je remets des sièges auto des enfants et puis c'est reparti. Les sièges auto des enfants. Hop, tout est à l'avant. Voilà, donc les gens quand ils passent la nuit, ils doivent se dire, merde, c'est quoi, c'est les enfants qui conduisent la voiture, quoi. Voilà, donc pas mal de buée ce matin. Mais bon, justement, c'est mieux. Avec la buée, ce qui nous permet d'être plus camouflé. Donc c'est un peu mieux pour la nuit. Et hop, j'ai des trucs anti... anti-soleil, du coup, ce qui permet d'être un peu plus opaque. Comment ? Parti-soleil.
des pare-soleils, voilà, au niveau des fenêtres, à l'arrière, etc. Du coup, ça permet d'être un peu plus opaque. Donc là, il fait jour, donc on voit un petit peu. Mais vu que c'est un peu teinté, et la nuit, du coup, on voit plus rien dedans. En fait. Du moment qu'on met pas de lumière, on ne voit pas du tout. Donc, vraiment, on n'a pas été dérangé. Vers 2h30 du matin, il y a un couple de jeunes. Enfin, ils étaient 4. Ils sont garés un peu plus loin, par là. Et du coup, ils sont garés un peu plus loin. Ils faisaient pas mal de bruit. Après, le temps qu'ils sortent leurs affaires, ils sont partis se baigner à 2h30 du matin. Ils sont partis piquer une petite tête. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a ce matin, au réveil. Voilà la petite vue de ce matin. Donc, on est juste vraiment en face de la plage. On a presque le bec dans l'eau, comme on dirait. Donc, on est super bien. Ce qu'on voit au bout là-bas, c'est le Havre. Hop, je vais faire un petit zoom. Là, on a le Havre là-bas. On a un petit bateau qui passe là-bas. Tout est propre, comme ça. Et là, on est reparti pour faire de la route. Donc là, madame se prépare. Salut. La gueule que t'as en plus. Ouais, je me doute. Oh. Voilà, madame se prépare. Les enfants sont déjà prêts. Ouais. Madame n'est pas prête, pourquoi? Parce que madame a préparé les enfants. Ouais, bah moi j'ai rangé. Ouais. Ça va, Nana? T'es contente? Fais un sourire. Enlève tes doigts, fais un sourire. Enlève les doigts, la bouche. Enlève la bouche. T'es contente toi aussi? Ta tête. Sa tête, Ali. Bon, allez. Bon, allez, c'est parti, on prend la route. On laisse madame se préparer. Oh mince. On laisse madame se préparer et puis hop, on y va. Voilà. Ah oui! Ah oui, attendez. Petite chose à dire aussi, bah comme beaucoup de youtubeurs le disent, hein, faut bien qu'on le dise nous aussi. Parce que maintenant on est youtubeurs, hein, faut qu'on le dise. N'hésitez pas, si ça vous plaît cette petite vidéo, ce petit vlog, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire bah c'est génial. Ou alors c'est de la merde. Vous pouvez le dire, hein. Vous êtes libres les amis. N'hésitez pas, ce commentaire sert à ça. Ça nous sert à savoir si ça vous plaît, ça vous plaît pas. À qui ça plaît, à qui ça plaît pas. Si vous en voulez, si vous en voulez pas. Etc, etc. Donc voilà, si ça vous plaît, petit pouce bleu. Et abonnez-vous. Et laissez un petit commentaire. Voilà. C'est tout, rien à rajouter? Non, c'était l'espace pub. C'était l'espace pub et il y a Instagram si vous voulez nous suivre. On a un Instagram, on a un TikTok. Donc tout est les mots chauds, les vrais. Partout, tout c'est comme est ça. En description. Et on a une page Facebook, mais tout ça, ça va être en description. Voilà, tout simplement. On fait des gros bisous. On suit, on continue. Le petit vlog. C'est parti. Allez, c'est parti.